Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 44e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour venir répliquer en ce mec. Dans l'épisode précédent, on a fini les quêtes annexes, on a fait 100%. On est à 100% de quêtes annexes. On a récupéré aussi sur la dernière quête annexe notre petit tuyau de fer. Pour ceux qui ont vu le tout début du jeu, quand on fait l'intro du jeu, on combat des ombres avec un tuyau de fer. On a récupéré cette arme là. Et maintenant, on doit aller au temple du maître des ombres pour l'affronter. Donc ce sera probablement le dernier épisode ou l'avant-dernier. Je sais pas encore, on va voir combien de temps on va mettre. Et au moins, vous avez vu pour faire comment faire toutes les quêtes annexes. On va au temple oublié, voie arrière. Normalement, niveau item. Mince, à chaque fois je me fais avoir. J'ai tout acheté au max. Herbe curative. J'ai tout. Là, si je meurs, c'est que vraiment, je m'y serais mal pris. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, ouais, ce sera probablement la fin A du jeu. Là, il faut qu'on remonte tout en haut du temple. Ce qui est dommage, c'est que pour la dernière quête annexe qu'on a faite, on était vraiment en haut du temple. Oups. On va pas s'embêter à fouiller tout le temple. Même accélérer un peu, on va pas combattre toutes les ombres. On est niveau 31, on a pas mal monté de niveau hein, depuis le début du jeu. Par contre là c'est dommage parce que j'ai utilisé un truc pour 60%, 60 secondes de potion de force et là du coup j'ai à peine utilisé 5 secondes. J'espère que vous n'aurez pas la... Non, je sais pas si vous l'avez entendu. Ordinateur. C'est bien, c'est cool qu'on ait fait 100% de quête, au moins on est tranquille avec ça. Alors je refais le tour pour être sûr, enfin on n'a rien oublié, mais après c'est pas très grave. Oublier des trucs, je pourrais toujours les récupérer sur les autres fins normalement. Ah,
Désolé, je vais juste faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Re-YouTube, désolé pour cette petite pause, un petit problème sur le live. Mais on est de retour. Allez, avançons. Merci d'être passé, monsieur le boss. C'est qu'on l'a éliminé en 2 secondes. Regardez là quand même s'il n'y a pas d'item. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à venir discuter dans le chat. Hello everyone. Voilà, on approche vraiment de la fin. La fin A en tout cas. Yann, comment tu vas? Là, on approche vraiment de la première fin du jeu. J'ai fait 100% des quêtes annexes. Là, je suis sur la route de la première fin du jeu. Taille bien. Alors j'ai vu que John était en live tout à l'heure, mais je sais pas du tout sur quoi il jouait. Il y a un petit bum qui a dû tomber. Là, il n'y a rien à récupérer. Je suis content que t'ailles bien. J'ai eu de la chance, enfin, j'ai eu de la chance. J'ai mon live qui a planté il y a 2 minutes, avant que tu arrives. Défense physique plus 25, ça je vais le mettre sur les arts martiaux, je pense. Ouais, c'est, enfin, ça a planté, j'ai perdu la connexion, alors je sais pas pourquoi. Par moment, c'est. Par moment, ma connexion a se barre en cacahuète alors que tout fonctionne bien, donc c'est un peu dommage. Mais bon, le principal, c'est que j'ai réussi à revenir, à relancer. Et du coup, j'ai réussi à faire toutes mes quêtes annexes, ce qui était mon objectif. Aïe, j'ai pas vu ce que j'ai débloqué par contre. Raconte-toi, toi. Capsule de force. Oui, utilisons ça.
capsule d'esprit. On aura bien une petite herbe. Kaine est déjà parti au combat. Alors là, on peut grimper, mais on va avancer. En fait, après, je vais continuer les autres fins du jeu. Mais je vais essayer d'alterner avec d'autres jeux. Je vais peut-être faire un peu de Pokémon version platine. Mais je vais poursuivre en tout cas. Il y a 4 autres fins derrière. Donc mon objectif, c'est de faire toutes les fins du jeu. Et je vais peut-être faire du Pokémon platine si j'arrive à bien paramétrer le truc. Parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait tous les autres Pokémon, jeux Pokémon d'avant, et j'ai envie d'avancer aussi sur les jeux Pokémon. Découvrir des nouveaux. Et peut-être quelques jeux indépendants ou. Des jeux comme Tales of Symphonia, des jeux que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais je trouve le temps. Hop. Allez, direction. Le temple du Shadow Lord. Ce qui est dommage, c'est qu'on revient là alors qu'on y était déjà l'épisode précédent. On est juste passé pour prendre un item. C'est ça qui est frustrant des fois dans le jeu. On passe, on est à un endroit et on revient une demi-heure après parce qu'il nous fallait un objet quoi. Hop, on va faire une petite sauvegarde ici. Je vais dire, on est déjà à 20 minutes, mais 13 minutes. And yet I find it strangely nostalgic. Yeah, this is where Vice and I first met and first fought together. Wow, this is where you used to live, Vice? Well, yes, I suppose, in a technical sense. Pretty nice digs for a floating magazine. At least it was free from annoying hussies like yourself. Après, j'ai des petits jeux indés qui vont arriver aussi, donc désormais la voie est ouverte. Donc ouais, j'ai pas mal de jeux qui vont arriver que je vais proposer, des jeux un peu méconnus, mais je vais essayer de faire un peu tout ça. Ok, et nous voici dans le château du maître des ombres. Alors là, ça peut être un couloir un peu sans fin. Épée du phénix. Très jolie épée. Du coup, là, faut parler aux deux colombes. À qui la voix véritable s'adresse-t-elle? À qui la forme véritable se révèle-t-elle? Vous devez répondre. Il parle.
Je demande. Pourquoi les humains ont-ils disparu du monde? Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Je crois qu'il s'agit d'une sorte de mot de passe. Password? Un mot de passe? Yes. The correct answer should grant us access to the castle. Oui, nous devrions pouvoir accéder au Shadow à condition de répondre correctement. I feel confident I've heard this somewhere before. Je suis certain d'avoir déjà entendu ça quelque part. To whom does the true voice speak? À qui la voix véritable s'adresse-t-elle? To whom does the true form show itself? À qui la forme véritable se révèle-t-elle? I ask, je demande. Why did humans disappear from the world? Pourquoi les humains ont-ils disparu du monde? You must answer. Vous devez répondre. À cause d'une terrible maladie. I answer because of a black disease. Je réponds. À cause d'une terrible maladie. I ask, je demande. How can humans extend their lives? Comment les humains peuvent-ils allonger leur vie en séparant leur âme de leur corps? Je réponds, en séparant leur âme de leur corps. Je demande, quelle est la destination des âmes? Le vaisseau qui leur est propre. Je réponds, ils sont placés dans leurs propres shells. Je réponds. Elles sont placées dans le vaisseau qui leur est propre. Very well. Très bien. You are acknowledged as master. Vous êtes reconnu comme maître. You may enter. Vous pouvez entrer. Well then, it seems the way is open. Voilà. En fait, si on ne parle pas aux colombes, ça revient infiniment. On revient ici de tout le temps. Ouh, Devola et Popola. Qu'est-ce qu'ils font là? It's the twins from your village. Hein? Ce sont les jumelles de ton village. Popola, Devola, what are you doing here? Popola, Devola, que faites-vous ici? Hey, any chance you'll just go back to the village? Salut. Par hasard, ne pourriez-vous pas simplement rentrer au village? This is a very dangerous place. Cet endroit est très dangereux. Even if you can find Yona here, you probably can't get her out. Même si vous parvenez à trouver Yona, vous ne pourrez probablement pas la sortir d'ici. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Chut, c'est nous qui posons les questions. Nous sommes ici pour sauver Yona. We're here to rescue Yona. No dice, huh? Well, I guess we don't have a choice then. Hors de question, hein? Eh bien, je suppose que nous n'avons pas le choix. No, I suppose not. How sad. Je suppose que non. Quel dommage. Ils ne veulent pas qu'on aille voir le maître des ombres. We didn't want to fight you. We really, really didn't want to. Devil, what's happening? Sorry. This fate was predetermined. We spoke to truth. We really wanted to avoid this if possible. We were hoping to put it off for 100 years or so. Aye. Until the next generation came along. What are you talking about? Are they shades? I don't think so. It's a lie! I don't believe it! We never thought we'd grow to be this powerful. This is madness. Why do you block our path? You have no cause to speak so with us, Grimoire Vice. You are a traitor. Forte, hein. On les pensait juste là pour chanter des chansons.
the sealed verses. Of course we can. The power came from us in the first place. Aïe. You were simply loaned a small portion. Mince. Aïe. Guys, are you all right? Tevola, Popola, why are you guys doing this? Why are you siding with the Shades? The answer to every riddle lies within the heart of the Shadow Lord. The Shadow Lord? So you've been on his side this whole time? You must search for that answer yourself. You've got to face your own truth now. Please, enter the Shadow Lord's castle. Obtenu carte du château du maître des ombres. Devola and Popola are fighting us. Yes, they do seem to be putting us through a great deal of You okay, Vice? How odd. For long years my mind and tongue have been my greatest assets. But now the latter seems to be Vice? Do not look at me like that. I am Grimoire Vice. I am Hoverdwerf. Il est en train de fatiguer le petit grimoire. Donc là, on va aller dans la deuxième partie du château du maître des ombres. Et donc, si vous n'avez pas suivi tout à fait ce que nous disaient les colombes, donc pour que les humains vivent plus longtemps. On extrait leur âme pour les mettre dans d'autres corps. Mais il y aura plein de révélations que vous verrez au fur et à mesure. Un bal. Allons danser. Certainly is a grand affair. Bunch of dancing bastards. They're all Shades! I think we're locked in! It's not like I was planning to leave. Yeah, it's a bit late for that. Aïe. J'essaye de pas me soigner en espérant que un des monstres me donne un item de soin. Après ça, vraiment ils sont pas trop, trop résistants, ils font pas trop de dommages. Ils sont quand même plus beaux quand ils dansent qu'en nombre. Hein. J'ai vu.
next door. Cover me. Oh, how I do love a good time. Vice! Oh, right. Protect the hussy, yes? Good plan. Let's go. Protect Kaine for us! Like a goddamn locksmith to you? No, you idiot. What are you doing? Lock doesn't want to open? Fine. I'll just break it down. Stop, you imp... Je vais utiliser un nom cantonique parce que là, j'ai quand même pu énormément de vie. Goddamn no good bullshit bastard! Open the fuck up already! Got it. Kaine, look out! Oups. You okay? Yeah, but we got problems. Là, j'ai peut-être bien fait de me soigner. Forgiveness, asshole. Kaine? Aïe. Salut Daimer, merci pour le follow. C'est un jeu qui s'appelle Nier Replicant. C'est le remake d'un jeu qui était sorti dans les années 2000. Dans les années 2010 sur Xbox 360 et PS3. Et là on approche de la première fin du jeu. Salut John. Bonsoir tout le monde. Là on approche vraiment de la fin du jeu, hein. On est fin de la première fin du jeu. Hop allez on fonce. On ne le cible plus, on se casse. Non on se casse pas. Ok c'est bon, c'est ouvert. On peut partir. Ah là, ça fight, hein, c'est... Et du coup, j'ai réussi à faire mon 100% de quête, John. Lance draconienne. Et là, au niveau des armes, je pense que je suis pas trop mal. 90% des armes. La vue est dégueulasse. Ouais, herbe médicinale, on va l'utiliser. Alors là c'est une zone où je peux mourir facilement parce que le sanglier va nous pourchasser. En fait s'il nous rattrape, il nous tue.
Donc là voilà, ça c'est une zone qui peut être assez importante et on peut mourir pas mal de fois. Quand j'avais fait le premier jeu, j'étais mort un bon nombre de fois ici. Par contre voilà, le sanglier il ouvre la porte alors que il a pas de main quoi. Ah, il m'a mis un petit dégât quand même. Faut mourir monsieur le sanglier maintenant, il y en a marre, il y en a assez. Non, je speedrun pas hein, Damer. C'est vraiment le jeu normal. Non, je le fais en mode normal, je joue tranquillement. Mais en tout cas, merci pour le follow, ça me fait plaisir. Merci John de ta présence. Ça, ce sont des amis d'un autre village. On a aidé le roi plusieurs fois. Et là, l'espèce de petit garçon qui parlait et qui avait pas le masque sur le visage, c'est le roi d'une ville qui s'appelle Façade. Et donc on l'a aidé, on l'a sauvé, on l'a aidé à venger sa femme aussi, parce que sa femme s'est faite tuer. Donc là il vient nous donner un coup de main pour vaincre les ombres. Oh bah de rien, j'essaye de t'aider comme je peux avec le recul que j'arrive à avoir. Ah, il va charger. Ah non, il charge pas. Ok, la porte est ouverte. Ah, il est très très puissant. Et là, il faut fuir. Et le roi et ses soldats se sacrifient pour nous laisser avancer. ゆっくく。お、タオキ。アルタ。ビート。来ると。こっち。いる。勝て。ケタルイトエチケロアルテリアだせ。ギウジ。各意識し。心中枯れると解散。テラス。 Open the damn door! Allez, une bonne gifle. Knock it off already. Let's go. Kaine. He's fighting for you and for Fira. Don't let him die for nothing. My friend. Et bah, ce qu'on va faire, les amis, c'est que pour YouTube, je vais arrêter l'épisode là, comme ça, ce sera pas trop long. On pourra faire le boss final juste après. Donc, YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et Twitch, on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode, enfin, pour la fin A du jeu. Donc, à tout de suite pour Twitch et YouTube. À demain.